C'est un métier qui commence par un A. A comme avion. A comme aérien. A comme aéronautique. Mais aussi A comme Clément Ader ou comme avionneur. Et tous ceux qui, il y a un siècle et demi, ont rendu possible l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Mais aussi A comme avenir. Car l'aéronautique française, c'est aujourd'hui près de 200 000 emplois en France. C'est une excellence industrielle qui repose à la fois sur de très grandes entreprises et sur des PME et des start-ups innovantes, solidaires. Alors, A comme ambition, car demain, plus encore qu'aujourd'hui, les hommes voudront se déplacer, aller vers l'autre. Et le transport aérien sera la réponse indispensable à un monde plus ouvert. On Air avec un I. I comme Icar, bien sûr. I comme intelligence et I comme innovation. Parce que la filière aéronautique et spatiale française a fait de l'innovation et de la recherche et développement l'un des axes majeurs de son identité. Parce que les grands succès du secteur reposent depuis plus de 50 ans sur sa capacité d'innovation et parce que l'aéronautique française dépose chaque année plusieurs milliers de brevets. Et puis, On Air avec un R. R comme responsabilité. Parce que les entreprises de l'aéronautique française sont pleinement conscientes de leurs responsabilités sociales et environnementales. C'est pourquoi la filière accorde une attention prioritaire à la sûreté, à la sécurité. C'est pourquoi elle investit dans les territoires, y maintient une industrie de haute technologie, recrute et forme les compétences indispensables à son développement. C'est pourquoi elle engage des programmes qui permettront demain de réduire encore l'impact du transport aérien sur l'environnement, de protéger les ressources et d'inventer une aéronautique encore plus respectueuse de la planète et de ceux qui y vivent.